Et salut tout le monde, c'est Redkill et on se retrouve aujourd'hui pour devenir le mineur le plus puissant de tout Roblox. Et des blocs, c'est pas ce qui va manquer, regardez tous les mondes différents par lesquels nous allons devoir passer avec des blocs de plus en plus résistants. Et si on veut casser du bloc résistant, il va falloir s'entraîner pour devenir beaucoup plus puissant. Heureusement, ces enclumes sont là et vont nous permettre de gagner de plus en plus de puissance. Je vais notamment monter à une puissance de 52, ce qui va me permettre de commencer à casser les premiers blocs de terre. Bon ok, ça n'a rien de très glorieux de péter des blocs de terre, mais faut bien commencer par là. De toute façon, avec une pioche en bois, je vais pas pouvoir aller très loin. Va falloir vite améliorer tout ça. Donc allez, c'est parti, on commence à miner nos premiers blocs, notamment à des blocs de bois qui normalement... Oh, salut Creeperman. Normalement, on est censé les péter avec une hache, mais là, pour l'instant, on s'en occupe avec cette pioche-là. Ouais, je crois que ça va être une pioche à tout faire. Donc allez, on pète des galets qui ont 750 de vie, maintenant 1000 de vie. Je sais pas si je vais aller jusqu'en bas. Oui, je vais aller jusqu'en bas et après, il va falloir se réentraîner, les amis, pour péter quand même beaucoup plus rapidement. Yep là, donc là on est sur de la pierre maintenant. Et ça a 1400, c'est énorme. Donc vous l'avez compris aujourd'hui, les amis, nous allons devoir nous entraîner sur des enclumes de plus en plus folles, histoire de pouvoir gagner de plus en plus vite de la puissance. Car de 1 en 1, ah non, on gagnait de 3 en 3, hein. Dès qu'on tape sur une enclume, ouais ça va, on gagne de 3 en 3, mais il va falloir trouver des enclumes plus puissantes dans les mondes suivants. En attendant, on détruit la pierre et qui était l'avant-dernière avant d'avoir notre première victoire. Et si je me trompe pas, pour passer au monde numéro 2 qui semble être fait de sable, il va falloir 10 victoires, donc il va falloir creuser 10 fois ici. Ah, autant vous dire qu'il va falloir plus de puissance que ça. Donc là, on retient le dernier bloc de cette lignée à 2500. Donc ça serait bien que j'ai 2500 de force. Boum, première victoire, histoire de pouvoir le one-shot. Bon, en tout cas, les amis, je sais que vous adorez les jeux de minage sur Roblox. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sous cette vidéo. Et si vous le faites, je vous offrirai la meilleure pioche en diamant de tous les temps. Bon, déjà, je vais essayer de l'avoir dans le jeu. Ça serait pas mal. Donc c'est sûrement grâce à nos victoires qu'on va pouvoir dépenser. Ah oui, on va pouvoir acheter des œufs. Oh, qui contiennent sûrement les fameuses... Oh, ah non, c'est des pets. Je croyais que c'était des pioches. On va aller voir le prix des pioches. Éventuellement, oh, 0 victoire. Il me faut 25 victoires pour avoir la première pioche. Ah ouais, d'accord. Elles ont l'air de plus en plus ouf. Bon, bah, vous savez ce qu'il nous reste à faire. On va aller s'entraîner directement. Allez, go. Il faut qu'on monte, on a dit, à 2500. Ah, oh, c'est énorme. Bah, je suis actuellement en train de m'entraîner sur des enclumes avec une pioche et avec un chat côté normal. Surtout que moi, je suis dans une position, les amis. Je sais pas trop ce que je fais là. On dirait que je me livre au ciel, je suis prêt à monter au ciel, regarde, c'est n'importe quoi. Bon, je suis à 1600 de force, je vais arrêter de m'entraîner, il faut absolument... Oh ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord, c'est tellement pratique. Ah, ça y est, je commence à double shot les trucs, hein. Waouh, et on a déjà la victoire. Bon, bah, il m'en faut 5 pour avoir un nouveau pet, donc on va faire ça. C'est parti, oh, c'est tellement satisfaisant. C'est parti, alors on va pouvoir avoir des pets aussi qui me permettent d'avoir plus 999 par hit. Oh. Ouais, c'est pas mal ça, et c'est pas mal. On verra ça tout à l'heure, on les achètera sûrement tout à l'heure. On va dépenser plein de Robux. En tout cas, vivement qu'on achète notre premier pet. Je sais pas s'il va être très utile, on va voir ça. Mais en tout cas, les amis, on a nos 5 victoires. Et on va aller vérifier que c'est bien 10 victoires pour aller au monde du sable. Hein, c'est bien ça, je crois. Allez hop, c'est bon, 10 victoires, oui, c'est ça, hein. Ah ouais, le problème, c'est que je vais en dépenser 5. Bon, c'est pas grave, on achète notre premier pet, qui est un lapin. Ah, intéressant. Et qu'est-ce qu'il donne? Plus 2 étoiles, qu'est-ce que c'est que ça? Là, je vous avoue, je sais pas trop à quoi il sert. Hein. On va miner, hop là, et on va voir ce que ça permet de faire. Peut-être d'avoir plus de victoires. Attendez, on va voir. Plus 1. Ah non, ça m'a donné que plus 1. Ah non, pour avoir plus de victoires, il va falloir acheter le fois de victoire. Donc allez, c'est parti, on commence à dépenser nos Robux. On va prendre le force fois 2 aussi, ça pourrait être pas mal. Ça pourra nous servir par la suite. Donc allez, on l'achète et nous on y retourne. Et là, normalement, on va pouvoir one-shot tous les blocs. Et alors là, la course effrénée vers le trésor est arrivée. C'est parti! Wow. Ouais, c'est bon, je one-shot tout, là, y a pas de problème. Ah non! J'ai pas one-shot la pierre! Mon x2, il s'est pas activé apparemment. Ah non, mais en fait, le x de force, les amis, c'est quand je vais m'entraîner sur les enclumes. D'accord! Ok, pas de problème. Donc, allez, plus qu'une seule descente et on va pouvoir passer au monde numéro 2 qui nous permettra d'avoir sûrement plus de victoires par lignée de blocs. Alors, on va aller voir ça. Oh, c'est magnifique. C'est incroyable. C'est exactement le pays du sable. Et maintenant, on a un x2 sur les enclumes d'or. Ah ouais, là on va pouvoir se mettre tellement... Oh, ça monte vachement vite. Oh là là, ok. Je vais très vite monter à 3000. Par contre, les blocs sont à combien maintenant? Il me faudrait une pelle normalement ici, hein. Attendez. Le premier bloc est à 3000. Ah ok, il faut que je m'entraîne. Bon, je vais monter à 5000, mais je vais pas rester là trop longtemps à m'entraîner. Il fait chaud au soleil quand même. Je vais plutôt creuser moi. Hop là. Oh, ah ouais, pas mal. Pour l'instant, ça va. J'arrive à aller double shot, triple shot maintenant. Ouais, dalles de sable, elles sont un peu plus lourdes. Mais bon, normalement, ça va le faire. Regardez, on va plutôt vite. Hop là, allez encore. Briques de sable. Ah oui, 24 000. 25 000. Et boum, 10 victoires. Oh,
Ça veut dire que les amis, je le fais seulement 5 fois. Eh non, maintenant plus que 3 fois et je vais pouvoir passer à la suite. Ah, ça y est, j'ai le x2, ça marche. Donc allez, go découvrir les pets qui seront là. Mais surtout, il va falloir aller s'acheter notre première pioche. Oh, j'ai eu un rare. Quelle chance. Ah, mais c'est que des rares, d'accord. Oh non, le faux espoir. Ok, ours brillant. Et là, c'était quoi, on a dit? Ah, le ours brillant. Attends, c'est bien l'ours brillant, non? Là, attendez. Ah non, non, c'était pas ouf, en fait. Bon, j'ai équipé tout le monde. C'est parfait. On va aller acheter une pioche maintenant. Ça pourrait être pas mal. Alors, c'est quoi ça? C'est des pioches en Robux? Ah oui, c'est des pioches en Robux. Il faut que je retourne au début pour acheter donc les pioches. Alors j'ai aussi la possibilité d'avoir des traces. Oh, est-ce que ça... Oh, 50 victoires, je peux avoir le sentier arc-en-ciel. Ok, je l'ai pris. Est-ce que je l'ai activé ou pas? Ah oh, oui, c'est bon, ça m'a pas dépensé mes victoires, tant mieux. Mais j'ai déjà la meilleure traînée. On va acheter donc... Yup là, cette pioche là. Oh, elle est tellement stylée. Bon, la prochaine, ça sera 100 victoires par contre. C'est dommage, je les avais, mais j'ai acheté des pets à la place. Hein. C'est tout aussi bien, je pense. Et alors maintenant, on va pouvoir aller s'attaquer au monde de pierre. Ah non, c'est, ça n'a rien à voir. C'est plutôt le monde de neige. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est de la neige, ça? Oui, c'est de la neige de résistance 20 000. C'est ouf. Ah, on peut rentrer dans les igloos ou pas? Et hop là. Ah non, ils ont mis des grosses bûches. Tu m'as pu passer. Alors là, c'est des fois 2,5. Ah ouais, mais alors là, c'est galère. Hein. Ah ouais, non, il faut aller s'entraîner, là. Là, il faut aller s'entraîner. On n'a pas le choix. Je vais mettre le mode AFK et on va taper de l'enclume. Quoi? Ça m'a téléporté aux pires enclumes. C'est quoi, ce délire? Donc, pour la prochaine zone, ce sera 500 victoires. Et en tout cas, nous, on va essayer de monter. Alors, on a dit, les blocs, ils étaient à combien? Ah, ils sont au moins à 20 000. Donc, il me faudrait, aller 30 000 de force, on va dire. Mais ça va, ça monte tellement vite. Regardez-moi ça. Je suis déjà à 20 000 en quelques coups. Bon, bah, tant qu'à faire, on va monter à 50 000 assez rapidement. Et les amis, bon, même pas. Allez, 41 000, ça devrait suffire. On y va. C'est parti, on se jette dans la neige et bam, on one shot, glace fissurée maintenant. Aïe aïe aïe, c'est déjà dur. Hein. Oh, ça monte tellement vite, regardez, 140 000. On va dire que je suis qu'au monde numéro 3 et on a déjà des blocs de 200 000, des glaciers les amis, énormes. Du gel? Ah ouais d'accord, ah ouais d'accord. Des énormes glaçons. 275 000, ok, 300 000 et on va terminer par... Ah bah 300 000 je crois, c'était le dernier bloc. Boum. Ça m'a donné combien? 100 victoires. Bon, c'est parfait parce que 100 victoires, c'est exactement ce qu'il me fallait pour avoir 50 forces multiplicateurs pour la nouvelle pioche qui est celle-ci. Regardez-moi ça. Attendez, elle ressemble vachement à l'autre. Hein. Ah non, elle est légèrement différente parce qu'elle est un peu plus grise sur les bords. Bon, même si elle est sympa, cette nouvelle pioche, il va falloir que je me réentraîne, les amis, parce que là, je galère à casser du glacier quand même. Bon, c'est normal en même temps, c'est un glacier. On est quand même pas mal puissant, hein, faut l'avouer. Mais il va falloir que j'aille plus vite que ça, donc allez, on va s'entraîner sur les enclumes. C'est plus possible. Allez hop, on prend les 50 victoires. Oh, bah tant qu'à faire, on va acheter un pet. Voilà, histoire de compléter la collection. Pet légendaire. Oh, mais là, ça commence à plus rigoler, là. Là, on commence à avoir des pets de fou. Mais allez, il faut s'entraîner. C'est parti. Ça s'appelle des enclumes de citron vert. Ils savaient pas quoi mettre après l'or, ils ont mis du citron vert. C'est quoi, ce délire? Je suis monté à 200 000. Ouais, là, j'avoue, j'ai un peu forcé, là, sur le muscle, là. C'est parti. Alors là, normalement, on devrait one-shot la plupart. Ah, on commence à galérer sur le gel. Alors, bah, c'est bon, on va pouvoir passer à la suite qui ressemble clairement à une petite jungle de Minecraft. Vraiment stylé. On a des... Oh, des pets à 500. Ah, mais je peux passer à plusieurs. Je peux passer à plus... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je peux en... Ah, mais d'accord, je peux en avoir deux. J'ai tellement de victoires que je peux passer directement à l'autre. Bon, bah, attendez, je vais faire celle-ci quand même. Oh. Ah ouais, mais attendez, il faut que je m'entraîne quand même. Hein. On va aller directement s'entraîner sur les enclumes là-bas. Alors, celle-ci, c'est les enclumes de diamants qui donnent x3. Et les suivantes, elles donnent combien? Mais attendez, on pourrait changer de pioche, tant qu'à faire. Je peux avoir celle-ci, elle est trop stylée. Allez, je la prends. Hop là. Je l'ai ou pas? Ah ouais. Alors, attendez, parce que du coup, on en a sauté une. C'était... Ah non, c'était deux même. Hein. Celle en or et celle en... Je sais pas. En bleu. x3,5, l'enclume de champignons. Ah oui, alors là, on gagne. Alors là, on gagne. Mais à mon avis, là, les blocs ici, ils sont... Oh là là, ils vont être trop chauds. Il faut 3000 victoires pour la suite. Ah, mais j'ai pas acheté ma pioche. Enfin, j'ai acheté ma pioche, mais au final, ça dépense pas les victoires. Donc, on va pouvoir acheter un pet aussi. Un pet de lave. Boum, lave de bébé. Il est bien ou pas, celui-là? Ah ouais, j'imagine que c'est bien. 30 étoiles, ça doit être bien. Donc, allez, on retourne sur ce village Minecraft avec... Oh, on fait tellement de dégâts. On s'est entraîné quelques secondes. Et franchement, on est là sur de la redstone. De la pierre rouge, en tout cas. 205... Oh là là, ça met tellement bien. Bon, bah, c'est bon, du coup, pour ce côté-là, on va aller directement sur celui-là. Mais à mon avis... Aïe, aïe, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Combien le bloc? 1 million? Oh, 1 million pile. J'avais raison. Galet de roche. Bon, ça va. On arrive à les double shots. Maintenant, triple shot. Et là, on est sur des tailles de galets tellement stylées. Mais par contre, c'est dur, hein. C'est très dur, hein. 3,5 millions. Il va falloir s'entraîner beaucoup plus que ça. Alors, on pète de la lave pour l'instant. De la lave à 4,6 millions. Il reste combien de couches, là? Il en reste 3 et c'est que de l'obsidienne. Oh.
Ah ouais, d'accord. De l'obsidienne, on va avoir de la bedrock bientôt. Sauf que c'est incassable, alors comment on va faire? Il va falloir utiliser un mod, je crois. Allez, go! On pète ça et on va gagner combien de victoires, là? Yop là, 500 victoires! Ah ouais, ça m'est bien, il en faut 3000 pour passer à la suite. Bon, est-ce qu'on s'entraîne ou pas? Ah, j'hésite. Parce que j'ai la possibilité de ne pas m'entraîner et d'acheter directement à plus 504 forces. Wow! On est passé à plus d'un million. Alors là, c'est parti! On peut tout... Non, mais même avec ça, on peut pas one-shot. Je viens de dépenser 700 Robux et je peux pas one-shot le monde où je suis. C'est normal. Bon, bah du coup, c'est pas grave. On va le farmer 2-3 fois. Même, il le faut encore 5 fois et on pourra passer au prochain monde. Bon, au niveau des pioches, on en est où, là? Ah, j'ai la possibilité de prendre celle-ci, du coup. Celle en émeraude, 2500 victoires. Je les ai. Et les amis... Ah, attendez, je l'ai pas mise. Pourquoi ça l'a pas mise? 2500 victoires, je les ai. Yop là, c'est bon, ça l'a changé ou pas? Non. Pourquoi ça ne change pas? Est-ce qu'il faut que je retourne au début? Je pense qu'il faut que je retourne au début. Hein. Donc là, on va dans le shop. 2500 victoires. Et ça l'a pas acheté, pourquoi pas? Oh, les amis, je crois que... Il y a un souci là. Bon, on verra après. Bon, en tout cas, on va avoir les 3000 victoires pour passer à la suite. Alors là, si je peux pas acheter la pioche, je comprends pas. J'ai 3000 victoires. 2500, ça doit l'acheter. Je l'ai pas acheté, toujours pas. Ah, ben, peut-être qu'il y a un problème et qu'il faut le double. En tout cas, on a des enclumes du château. x4. Et oui, effectivement, on est dans un magnifique château avec des blocs qui vont être très, 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 très compliqués à péter, je pense. Combien le bois? Ah ouais. Le chêne de la jungle, 6 250 000. Ah ouais, d'accord. Bon, allez, on a plus qu'à aller s'entraîner. Parce que là, il faut... Ah ouais, mais là, ça... On progresse vite, hein. On progresse super vite, hein. Oh, regardez, je vais monter rapidement à 2 millions, là. Bon, bah allez, je m'entraîne quelques minutes et on se retrouve juste après. Donc, me voici bien entraîné vu que je suis rendu à 33 millions de force. Et alors là, là, je pense pouvoir avoir tous les blocs d'un coup, hein. Oh, on est sur de l'obsidienne, lave qui coule. Ah ouais, j'ai farmé un peu trop longtemps, les amis, là. Je suis beaucoup trop fort, là. Waouh, wow, trop, trop bien. Obsidienne d'Invinci. C'est quoi, l'obsidienne Invinci? C'est de l'obsidienne invincible, c'est ça? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Eh ben, moi, je la détruis, il n'y a aucun problème. Boum, 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 boum. Bon, par contre, est-ce que je peux changer de pioche, maintenant? Yep, là, je peux l'avoir? Voilà, en fait, il fallait 5000, hein. Je me doutais bien qu'il fallait un truc comme ça. Il fallait le x2. Allez, donc, du coup, on la teste. Elle est magnifique et elle va nous permettre d'avoir... Les dernières victoires, ah oui, 7500 une fois. Ok, il faut que je repasse une petite descente. Allez, go, hop là, waouh. Alors, les derniers blocs avaient 10 millions, donc la prochaine zone, ça va être chaud encore. Hein. Attendez, qu'est-ce que c'est? Waouh, on est dans le Nether, les amis. Ah, on y va. Oh, c'est des blocs de Nether, des blocs de portail, carrément. Oh, trop bien. Et alors, les enclumes, x5, c'est des enclumes arc-en-ciel, elles sont trop belles. Mais y a pas de pète, là? Il n'y a plus de pète? Attends, il faut peut-être que j'aille dans le Nether. C'est parti! Emmenez-moi! Enfin, on est déjà dans le Nether, hein. Mais, ouais, il va falloir péter les blocs, il n'y a pas de pète, là. Oh, c'est parti! Hérode! Ah, oh, ouais! Nether, lave! Oh là 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 là! Et alors, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est les derniers! Oh là! Ça y est, hein, j'ai tellement farm que je suis trop trop puissant pour cette zone. Et on va pouvoir acheter la dernière pioche, les amis! Attendez, hop là! Les derniers blocs ont 53 millions. 53 millions, c'est les meilleurs blocs ici. Et nous, on peut avoir cette pioche-là. Alors, peut-être qu'il va falloir les 20 000. Ah non, c'est bon, celle-ci, je l'ai eue. Elle n'était pas buggée. Ah, elle est trop stylée. C'est la pioche néon. Bon, en tout cas, on est vraiment bien, bien au niveau, là, vu qu'on arrive à tout casser en maximum 2 coups par bloc. On va pouvoir passer très rapidement à la prochaine zone. J'aurai même pas besoin de taper l'enclume arc-en-ciel. Pour m'entraîner, on va aller s'entraîner directement sur les prochaines enclumes parce qu'on va en avoir besoin, à mon avis. Mais là, c'est assez. Ah non, il m'en manque encore une petite. Et on y est. Yeah, les 15 000 victoires, c'est parti. Voyons voir ce que cela nous réserve. Alors, pas de... Ah non, toujours pas de pète. Hein. Oh, quel dommage. Bon, allez, là, on a enclume d'obsidienne. Ah ouais, d'accord. Des enclumes d'obsidienne. Pratique, quand même. x6. Ah ouais, on se met bien, on se met bien. On va essayer les blocs, quand même. Qu'est-ce que c'est? Un plat, c'est... Ah, d'accord, c'est de l'émeraude. D'accord, ok, aucun problème. Ok, c'est parti, on y va. Oh, des dalles d'émeraude. Oh, carrément, oh là, des galets d'émeraude. Ah, c'est un truc de fou. Des fragments d'émeraude. Bon, ça va, hein, j'arrive à les gérer quand même. Hein. Ils ont 150 millions de vie, mais ça va. Plus 3000 victoires, yes. Bon, ça serait bien d'aller changer mes pets quand même, parce que là, j'ai pas des pets de fou. Hein. Il faudrait que j'ai que des pets de lave, je pense. Après, j'ai l'impression que les pets, ils servent quasiment à rien. Donc bon, au pire, on s'en fiche. Allez, go! On y va. On a besoin de 30 000. Je crois que j'aurais même pas besoin de m'entraîner, hein. Ouais, je vais même pas m'entraîner sur les enclumes d'obsidienne, même si elles ont l'air sympas. On va aller s'entraîner directement sur les prochaines. Donc ça y est, j'ai les 30 000. On passe à la suite. Et on a maintenant des enclumes de terre. Ah, de la terre, vraiment, pour s'entraîner. De l'or? Des blocs d'or?
minerai d'or carrément. 200 millions de vies, les amis. Ah, ok. Là, ça va commencer à être galère. Il va falloir que je tape tout ça. Mais alors, attendez, juste avant, j'aimerais bien aller acheter des pets. On sait jamais si ça peut faire une différence. J'ai quand même beaucoup de victoires, donc je peux me permettre d'acheter les meilleurs pets du jeu. Donc, c'est ceux-là. C'est ceux du royaume champignon, là, des pets de lave. On va en acheter 5, vu que je peux en avoir 5 sur moi. Ok, attention. Oh, lave de méduse, pas mal. Attendez, c'était le meilleur, ça, lave de méduse. Ah non, c'était la deuxième à 25%. Ok, j'en achète encore 3 ou 4, histoire d'être sûr d'avoir mis un peu plus de chance de mon côté pour en avoir des meilleurs. Ouais, non, j'ai pas beaucoup de chance, là. Hein. J'ai que les méduses ou que les pires, là. Ouais, lave de bébé. Malheureusement, ouais, c'est un petit peu galère. Allez, tant pis, c'est pas grave. Je vais équiper les meilleurs. Donc, les voici avec moi. Je sais pas s'ils vont faire une grosse différence. On va tester, mais je ne pense pas. Alors, attendez, on va voir. Ils sont à combien, là, déjà, les blocs? Ils sont à plus de 250 millions, hein. 200 millions. Ok, ah ouais, non, j'ai l'impression que je tape aussi fort, hein. Bon, dans tous les cas, il faut que je m'entraîne, les amis. Donc, allez, on tape de l'enclume de terre. x7 maintenant, hein. On progresse vite, quand même. On progresse très, très vite. Bon, il faudrait que je monte à 400 millions, peut-être. Allez, on va faire ça. On farm. J'en peux plus. 315 millions, ça va. C'est assez, je pense, pour casser de l'or, de la pierre rouge. Ok, de la redstone, du lapis lazuli. Oh là là, de l'eau solidifiée carrément. Et boum, 5000 victoires. Oh, il y a déjà quelqu'un qui est à la meilleure zone là-bas. Ok, je vais aller le rejoindre. J'arrive à one... Ah non, je double shot les plus gros. Donc au pire, il faudrait que je m'entraîne juste histoire de one shot les derniers. Donc il faudrait que je monte à 350 millions. Voilà, me voici à 350 millions. L'avantage, c'est que là, je peux tout one shot. Et les amis, il faut que je monte maintenant à 60 000 victoires. Et cela me permettra d'avoir accès à la dernière zone du jeu. Et allez, dernière descente, on profite de l'eau solidifiée. Et boum, on y est. Ah non, mais c'est pas la dernière zone du jeu, hein. Je croyais, vu qu'il y avait le temple et tout, on avait l'impression que ça se terminait. Mais non, justement, il y a celle-ci à faire avec des enclumes de lapis. Et on a carrément des blocs de tapis. Ah non, c'est des lapis durs. Donc allez, on va voir, on va casser ça, la lave. Oh, mais là, je suis quand même puissant, hein. J'arrive quand même à péter pas mal de trucs, rocher du bas. Ok, alors il nous faut 125 000 victoires. Mais ça va aller très vite, hein, parce que regardez, j'arrive vraiment à quasi one-shot tout, hein. C'est trop stylé, on est trop puissant. Bon, faudrait quand même que je monte un petit peu ma puissance, tant qu'à faire. Ou même pas, hein, je pense que ça sert à rien, autant aller à la prochaine zone directement. Et allez, dernière descente, et on a déjà les 125 000 victoires requises pour passer à la suite. Et quoi? Ah non, je vois que 5 victoires là, mais à mon avis, c'est qu'on voit pas le portail en entier. Parce que 5 victoires, mais si c'est ça, what? 5 victoires! Non, il y a un bug, on peut pas voir. Donc là, du coup, je sais pas combien il en faut. On est dans un temple et il y a que ça. Attendez, on ne peut même pas aller s'entraîner. Il n'y a pas des enclumes dehors. Ah, non, les cactus, on peut pas taper sur le cactus, absolument pas. Mais attends, on peut y aller à cette prochaine zone ou pas? Je sais pas. Bon, en tout cas, on va essayer d'aller péter les blocs de sable, là. C'est de la sandstone, j'imagine. Sable du temple. Ok, on casse ça. Les dalles du temple. On les double shot, triple shot maintenant. Ok, dalle du temple, mosaïque du temple. D'accord, et elle donne combien de victoires là? Bon, alors ça, mosaïque du temple encore. Et les derniers blocs, attendez, c'est des dalles fissurées du temple. D'accord, bon, c'est que des dans le thème du temple évidemment. Et on va juste se mettre sur le côté pour voir exactement combien ça donne. 10 000 victoires, hein. C'est pas mal, hein, mais je sais pas du tout combien il m'en faut pour la suite, hein. Oh les amis, il y a un bug, regardez. Dès que je casse un seul bloc, j'arrive directement jusqu'en bas. Oh, il faut en profiter. On y va. Alors, je sais toujours pas combien il me faut de victoires, mais on va faire ça. Oh, ah oui, c'est quand même pas là. Mais même lui, ça lui fait, hein. Oh, on est en train d'en profiter. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est normal, là? Non, c'est pas normal, ça, c'est sûr. Mais ouais, il faut en profiter, vraiment. Go, on n'a pas le temps, on va manquer à mettre tout. Yep, là, 10 000. Bon, par contre, il n'y a juste plus de blocs, hein, même pour la zone suivante. Attends, il y a des blocs avant ou pas? Ouais, il y a des blocs avant, hein. La zone suivante, j'ai pas vu de blocs. Ah, il y en a que la moitié. Donc là, je vais arriver à 250 000. Ça me paraît être un bon nombre pour la suite, même pas. Bon, en tout cas, les amis, je suis rendu à 330 000 victoires et je n'ai toujours pas accès à la prochaine. Je sais pas si c'est possible. J'ai l'impression juste que c'est bugué. Là, je sais pas pourquoi j'ai mis deux coups dans le truc alors depuis tout à l'heure, je mets qu'un seul. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. On a été jusqu'au bout. À moins qu'on puisse aller dans la prochaine zone, mais je crois pas en vérité. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.